Voilà, cette vidéo, nous allons faire les switches. Les switches, c'est un petit bouton glissant. Donc, les boutons glissants, c'est ce qu'on est en train de faire maintenant là. Ok, on enlève d'abord ce qu'on vient de faire tout à l'heure. Ok, le checkbox pour faire les boutons glissants. On va revenir, on met child. Ok, on met children. C'est là où on va mettre notre bouton glissant. Ok, voilà, on met text. Là, je vais acheter quoi? J'achète quoi? J'achète quoi? Et voilà. Vous parlez Lingala. Voilà. Vous parlez Lingala. Je pense à cette langue-là que j'aime beaucoup. Et puis, on ajoute notre. Notre bouton glissant, ok, qu'on appelle switch, ok, et je lui mets, je vais lui donner une valeur, ok, voilà. En fait, on lui passe une valeur booléenne. J'ai une valeur booléenne qui on déclare bool. Ok, la personne qui parle vrai ou faux. Donc là, on ajoute directement false par défaut. Et puis nous revenons à ce niveau-là avec notre valeur personne. Ok, et là nous l'ajoutons là-bas. Voilà, la personne est là. Ok, et puis on ajoute la méthode onChange boolean égale b, puis on ajoute les accolades. Voilà. Et puis c'est vraiment simple que ça. On ajoute notre set state, on récupère l'état. Et puis on prend la personne. Et puis on l'affecte B. Voilà, c'est très simple vraiment. C'est très simple. Donc, à chaque fois qu'on va toucher à cette valeur-là, la personne aura une valeur. Ok, voilà, ça s'affiche de l'autre côté. Oui, paf, paf, c'est tout. Donc là, il prend true, false, en fonction de notre state qui est là. Donc, et puis, on a pris notre valeur personne qui est en booléen là-bas. Voilà, c'est très simple que ça. Juste ajouter ça depuis, vous amusez avec la chose. Allez, passe.